pâtisserie de restauration. Donc du coup, en travaillant sur les associations, les textures, les épices, tout ça, je retrouve un petit peu toute cette cuisine en fait, un petit peu ce côté cuisinier de la pâtisserie. Je me dis toujours en fait que souvent les pâtissiers ne cuisinent pas assez leur pâtisserie. Et en fait, j'essaye de l'inculquer justement à mon équipe, de faire attention de bien cuisiner leurs produits. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial, que les crèmes, que les compotes de fruits, que les crémeux aient le temps d'être travaillés, d'être cuits, de s'infuser. Enfin, je trouve que toutes ces étapes-là sont hyper importantes. Il faut prendre le temps de faire les choses, si on veut qu'elles soient bonnes. Série de trois desserts qu'on prépare pour un restaurateur. Donc tout à l'heure on va faire une tarte au chocolat et à l'huile d'olive avec des olives noires en petites touches pour apporter un petit côté sucré salé.
Mais voilà ce que c'est qu'une ganache. C'est un mélange intime en fait entre des ingrédients qui sont le chocolat et alors soit de la crème avec des épices ou du thé ou du café préalablement infusé ou alors une purée de fruits. Là, on met donc la crème petit à petit. On met la crème petit à petit dans le mélange. On peut avoir mettre un petit peu de feuilles d'or dessus. Tu vois, une feuille d'argent, si tu veux.